Allez, ça tout le monde, c'est TazRecupération, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 177, c'est un beau chiffre, de notre Let's Play 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. J'espère que vous allez bien. Pour ma part les amis, je vais très très bien. Souvenez-vous de l'épisode précédent, on avait continué nos missions de combat et aujourd'hui nous allons logiquement s'attaquer à la dernière. Donc souvenez-vous de la dernière fois, on avait fait le fameux au fil du vent aux commandes de Vamedo. Donc allez voir l'épisode précédent si vous ne l'avez pas vu. Et aujourd'hui normalement, si on compte pour le moment pas la mission X, parce qu'on la fera quand elle s'attaquera au DLC, on avait du coup, ça sera du coup notre dernière mission de combat actuellement, logiquement de cette session. Donc ça veut dire peut-être demain, on va pouvoir s'attaquer à du scénario, sauf s'il y a une autre mission de combat qui se débloque derrière après celle-ci. Et donc du coup, bah, les amis, aujourd'hui nous allons nous attaquer à deux chefs pour une tribu. Alors que Riju et Urbosa approfondissent leur maîtrise de la créature divine Vanaboris, pardon, un groupe de gardiens se remet en mouvement. Les deux chefs se lancent dans la bataille pour protéger les Gerudo. Ici on peut voir que en ennemi principaux il y a des gardiens terrestres, des gardiens ailés, des moblins d'argent, des sorciers de glace et ainsi des bokoblins d'argent. En récompense initiale ici nous avons une pierre céleste, 10 venaisons et 20 venaisons pardon et 20 viandes de volaille ainsi que 500 rubis et rien en exclusif. Donc du coup les amis, c'est parti, on va pouvoir se lancer aux commandes de 20 Vamedo. Alors du coup faut se souvenir de comment l'utiliser. Coup fatal, intercepté, coup de tonnerre fait tomber la foudre dans la direction où vous visez, la puissance d'attaque est renforcée. C'est vrai que aussi pour celle-là il faudra faire attention d'ajuster le timing de la décharge pour éviter de trop surcharger, donc du coup de rendre du coup nos prochaines attaques inefficaces pendant un petit court instant. Et donc du coup les amis, c'est parti, on va pouvoir piloter du coup Vanaboris et ça va être énorme encore une fois, et avec du coup Urbosa et Riju. Normalement du coup aujourd'hui dernière mission de combat actuellement. Normalement après on va pouvoir s'attaquer à du scénario enfin après 2 semaines et demie. Oui parce que ça fait à peu près 2 semaines et demie si vous calculez bien. Donc mine de rien ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Et donc du coup les amis c'est parti hein. Écoutez, C'est parti. On va attendre un petit peu. Alors ça va être quoi ici? Éliminer les gardiens, éliminer des ennemis, éliminer des leads. Je sais pas, honnêtement, j'imagine peut-être encore éliminer des gardiens vu qu'ils parlent de gardiens. Donc voilà. Oh oui. Alors, vu le nombre d'ennemis, je pense pas que c'est éliminer le 3000 ennemis. Hein. Voilà, éliminer les gardiens, c'est ça. Donc il faut ajuster le timing, hein. Faut y penser. Ok, boum. Et voilà. Donc là, il y a des gardiens ailés. Faut ajuster le timing. Ok. Là, parfait. Comme ça, si on peut voir les sorciers de glace en même temps. Boum! Voilà! Go! Ah merde! J'ai pas ajusté le timing. Aïe! Intercepté. On peut pas intercepter parce que... d'autres gardiens apparaissent, malheureusement. Aïe aïe aïe, des gardiens terrestres du coup. Attention. Là on active ça, comme ça au moins on met les sorciers de glace dedans. Et slash, voilà, 10 gardiens. D'autres gardiens apparaissent, alors attention hein, il faut intercepter un petit peu. On charge. Boum 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 boum. Alors là on a du coup fatal. Donc on va profiter vu qu'on a du coup fatal hein. Je vous le dis, on va bien profiter même. Voilà, 12 13, 14, 15. Parfait, on élimine tout, on élimine tout. On finit, on fait une totale. Ok, parfait. Ok, coup fatal. Du coup là, voilà, attention, ne pas se faire mal. D'autres gardiens apparaissent, et évidemment, et sinon ça serait trop facile. Ok, on a éliminé un gardien de plus. Ah, d'accord, par contre on n'a plus assez de... Aïe, 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 attention. Attention. Boum! Voilà, boum! Voilà, 17 gardiens. On peut du coup faire du coup fatal. C'est ce qu'on va faire hein, pour éliminer d'ailleurs tous les autres gardiens. Voilà, 19, 20, 21, 22, 20, 22. Voilà, d'autres gardiens apparaissent. Donc il y en a beaucoup cette fois-ci, il y en a plus que d'habitude. Voilà, 23. Oula, il y a du monde là. Il y a énormément de monde. Attention. Attention. Ouais, on peut pas malheureusement faire quoi que ce soit ici. On va devoir un petit peu calmer tout le monde. Voilà, un peu
Parce que le souci, c'est que voilà, il y a des gardiens de partout. Oula, attention, attention. Ok, attention. Ok, 24, 25. Donc il nous en manque plus que 5. Oula, attention. Boum. On va tenter d'éliminer tout le monde. Ben voilà, boum, 29. Allez, il nous en manque plus qu'une. Il manque plus qu'un gardien. Alors, non. Ok. On va activer ça, on sait jamais. Ok. Boum. T'es mort là, non? Voilà, tu vas mourir normalement. Voilà. Et nous avons réussi. Nous avons réussi cette mission de combat. Yes, avec Vanaboris. Oh, c'était trop stylé. C'était trop stylé. C'est bien. En plus, on va devoir la refaire en mode normal, difficile, héroïque et apocalypse. Et ça, c'est parfait parce que ça veut dire qu'on va pouvoir de nouveau les piloter dans le futur. Donc, écoutez, tant mieux. Et donc, du coup, alors ça, on en avait assez, donc ça va. Mais voilà, ça, c'est un rubis de plus. Hein, ça ne fait pas de mal. Et donc du coup, ben, est-ce qu'il va y avoir une autre relance ou pas? Sinon, ben, demain, c'est imminent, scénario, logiquement, dans le plateau du prélude. Logiquement. Alors du coup, on va voir un petit peu. Alors du coup, on va voir un petit peu. Et est-ce que c'est fini? Eh ben c'est fini les amis, yes! On va pouvoir du coup s'attaquer à... oui c'est bien fini, donc il n'y a que là où il y a l'émission du DLC, donc on s'attaquera quand on fera le DLC. Mais c'est fini pour le moment, donc ça veut dire que la fois prochaine, donc demain les amis, nous allons pouvoir nous attaquer à du scénario enfin. Ça faisait vraiment un petit moment, et on va pouvoir aller du coup au fameux secours au plateau du prélude. Donc vu que c'est le plateau du prélude, on va mettre déjà, on va... déjà préparer le terrain. Alors on va mettre comme d'habitude Link, et pourquoi pas mettre les trois prodiges carrément. Honnêtement, je pense que je vais peut-être mettre les trois prodiges principaux. Donc ça veut dire qu'on va peut-être mettre par exemple Daruk, alors Mipha, Revali peut-être pas maintenant. Ah, il est niveau 44, le pauvre Revali. Ouais non, on va mettre Mipha et après on va mettre derrière peut-être Urbosa. Ou enfin Urbosa, ouais. Urbosa. Ou on peut peut-être mettre Revali. Ou peut-être le grand Kuga. Je sais pas. Ou on peut mettre peut-être Zelda. Non, peut-être Zelda finalement. Voilà. Comme ça, au moins, on est préparé le terrain pour l'épisode prochain. Alors, du coup, hein, je vous dirai le nombre de Korogu qu'il y a sur la carte quand on y sera. Donc, je vous en remercie de m'avoir suivi, du coup, pour cet épisode numéro 177 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Du coup, on se retrouve demain pour du scénario. Je vous en remercie de m'avoir suivi. D'ici là, les amis, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey.